Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi le 16 avril et donc j'en suis au jour 16 de mon jeûne spirituel 2019. Et en particulier, j'en suis au jour 6 de mon jeûne à l'eau. Je crois bien que je suis sorti d'une des phases les plus difficiles, c'est-à-dire le début. L'autre phase difficile sera la fin, mais là, en ce jour 6, je me sens mieux. Je dois dire que les premiers jours ont été pénibles. Je me suis traîné la patte. J'étais fatigué, j'avais un peu la nausée. Mon corps n'était pas très content que j'arrête de manger. Mais le corps vient de comprendre et vient d'aller chercher ses ressources à l'intérieur. Donc, je me sens beaucoup mieux, plus clair, moins fatigué. Je demeure quand même au ralenti. Hein. C'est comme si je me sens un peu comme un petit vieux. Je marche tranquillement. Sauf à certains moments de la journée, des fois, plus la fin de la journée, des fois, je retrouve mon énergie comme si j'étais totalement normal. Mais en général, je suis assez lent et ça demande un petit peu plus d'effort pour faire mes activités normales. Je dois dire qu'il y a une qualité que je trouve qui est nécessaire pour faire ce type d'expérience, c'est la résilience. Parce que ça peut être décourageant, surtout au début. J'en suis juste au début, à 6 jours. 6 jours de jeûne à l'eau, alors que j'en ai 40 à faire. Donc si je regarde le but 40, c'est déconcertant. Mais je m'efforce autant que possible de rester dans le ici-maintenant, donc pas à pas, un pas à la fois, une journée à la fois. Parce que c'est un drôle de sentiment quand on est sur un jeûne à l'eau, parce que on ne mange pas. Je ne vais plus aux toilettes, je ne vais plus chier, je n'ai plus de merde. Et hier, je regardais des vidéos à propos du jeûne sec. Ça m'a inspiré à commencer à prendre moins d'eau. Je ne sais pas si je veux vraiment faire un jeûne sec, parce que c'est quand même intense. Mais ça m'a inspiré à réduire ma quantité d'eau, parce que selon ce que j'ai vu, sur un jeûne sec, on a plus d'énergie, on conserve mieux son énergie. Il y a moins de dilution. Donc là, je l'essaye aujourd'hui. J'ai pris un petit peu d'eau ce matin. Je vais en prendre un petit peu ce soir. Comme un demi-verre, juste symboliquement. Et peut-être tantôt quand je vais aller au spa, parce que bien sûr, au spa, je perds beaucoup d'eau. Mais je vais boire beaucoup moins. Ça a un avantage, c'est que je ne passe pas la nuit à aller aux toilettes. Cette nuit, je ne suis pas allé aux toilettes. Je ne suis pas allé pisser, donc c'est quand même une bénédiction, parce que les nuits dernières, j'allais pisser au moins 4 fois. Parce que je suis dans mes lectures, j'avais vu que c'est important de lire, de boire beaucoup. Remarque que cette année, je n'ai pas bu beaucoup, mais là, ayant vu des documentaires sur le jeûne sec, ben ça m'inspire à boire moins. Et éventuellement, je pense que je vais l'essayer. Mais c'est quand même radical et je suis quand même un travailleur autonome présentement, donc j'ai du travail. Je ne peux pas me permettre de perdre le contrôle de la situation. Je vais me permettre de le perdre au mois de mai. Hein. J'ai décidé de prendre des vacances dans le 13 ou 17 mai. Donc là, je vais être à la fin de mon jeûne à l'eau. C'est généralement là que c'est le plus terrible. En tout cas, dans les dernières années, ça a été assez terrible à la fin. Très douloureux, très pénible. Cette année, je suis curieux. Je suis curieux de voir comment ça va se passer, parce que là, j'ai quand même une pratique supplémentaire. J'ai quelques trucs que j'ai ajoutés, que je vous en ai parlé. Hein. Entre autres, je prends des bains de soleil, je vais au spa, au jacuzzi. Donc, j'élimine beaucoup de toxines au fur et à mesure. Je descends au gym aussi faire de l'aérobie.
Je vais continuer à faire un peu d'entraînement aussi, mais vraiment un quart ou un tiers de la force normale, juste pour dire que je bouge les muscles. Je prends des grandes marches aussi dehors. Qu'est-ce que je fais aussi? J'ai quelques suppléments que j'ai commencé à prendre. Je vous en reparlerai plus parce que j'en ai commandé un autre. Mais juste pour vous donner un hint, j'ai commencé à prendre de l'iode, iodine, de la iodine, de l'argent ionisé et de la teinture de Reishi. Donc, c'est pas de la nourriture, c'est pas, il n'y a pas de sucre là-dedans, c'est pas solide. Donc, je me suis dit que je pouvais prendre ça pour aider mon corps. Puisque je suis en détox, ben, toutes ces choses que je prends aident à aller chercher, à faire ça. En anglais, on dit chelate. En français, je ne sais pas si on dit chélater, mais je ne sais pas comment on dirait ça. Mais ça va chercher les métaux lourds, les poisons, les toxines. Ça les agrège et ça les fait sortir. Donc, je me dis que ça va aider le processus. Et puis, la iodine, ben, j'ai fait quelques recherches et je me rends compte que c'était un médicament qui était utilisé couramment avant que, bien sûr, les pharmaceutiques arrivent avec leurs gros souliers puis ils se rendent compte que ça coûte presque rien puis que ça guérit presque tout. Entre autres, j'ai réalisé que la majorité des êtres humains on a une déficience en iodine, entre autres par exemple par l'utilisation du fluor, soit dans l'eau, soit dans la pâte à dents, ce qui tire la iodine et donc ça nous donne une déficience. Et ça aide aussi à calcifier la glande pinéale. Et moi je veux la décalcifier pour être le plus spirituel possible, bien sûr. Donc, c'est juste un rapide overview. J'en ai commandé un autre, c'est de la zéolite. Je ferai peut-être un épisode sur ça dans les prochaines semaines, quand j'aurai vraiment fait les tests et que j'aurai quelque chose de concluant à dire, parce que là, c'est vraiment de l'expérimentation. J'ai pas vu ça nulle part. C'est des agrégations d'idées que j'ai trouvées un peu partout, en particulier chez Gabriel Coussens. Les produits que je prends, lui, il les suggère pour se protéger des chemtrails, les chemtrails qu'il y a dans le ciel qui nous bombardent de produits chimiques et toxiques. Donc, sur ce, je vais passer à un autre sujet. Donc, la résilience. La résilience est importante. C'est quoi la résilience? C'est comme le roseau, hein, qui. Quand il vente, il penche, mais il revient. Un arbre, un vieil arbre n'a pas la résilience, hein, il est fort, mais s'il vente trop, il va casser. Donc ça prend, à mon avis, une grande résilience pour faire un jeûne long, parce qu'il y a des moments de tentation, des moments, comme je vois présentement les belles oranges que Martha a achetées en fin de semaine, hein, qu'on a achetées chez Canada Wild. Ils ont l'air vraiment délicieuses. Et je peux même pas y goûter. Je me dis, ah, c'est la première chose que je veux manger quand je vais recommencer à manger. Elles sont tellement belles. Mais en même temps, bon. On se fait juste au jour 6. J'ai encore un bon 36, 30, 34 jours. Plus un autre 10 jours de jus. Vous voyez comment ça peut être décourageant si on regarde trop loin. C'est long, c'est long. Mais en fait, si je regarde mon jeûne spirituel 2019, j'en ai un quart de fait. Le jeûne spirituel va durer 2 mois. C'est le processus au complet. 10 jours de jus, 40 jours de jeûne à l'eau, 10 jours de jus pour revenir à la normale. Donc. Mais je me conforte dans l'idée que je me fais un cadeau. Je me fais un cadeau parce que je sais que je suis gagnant en faisant ça. Même si je me prive pour l'instant, même si ça a l'air d'une privation, ça a l'air d'un sacrifice. En fait, c'est un don précieux que je me fais, le don de la santé.
Et en fin de semaine, samedi, dimanche, je suis allé dans un lancement de livre, hein, l'épopée jovialiste, et puis il y avait beaucoup de monde, et plusieurs des gens qui étaient là, ben, suivent ce vlog, et ils savaient que j'étais sur un jeûne, et j'ai pu voir l'étendue, j'ai pu être confronté à l'étendue de l'ignorance des gens sur le sujet. J'en ai entendu des choses qui n'avaient pas d'allure. Et c'est tout par des gens qui n'ont jamais fait de jeûne, bien sûr, hein, qui viennent et qui me donnent leurs conseils, par exemple, me faire suivre par un médecin. Et je leur réponds, vous voyez, moi, je ne crois pas aux médecins, Alors, je dirais pas ce sont des quoi, mais pour moi, les médecins n'ont pas de crédibilité au niveau du jeûne. Il n'y a aucun médecin qui va suggérer à quelqu'un de faire du jeûne parce que c'est gratuit. Donc, bien sûr, ils vont me décourager de le faire. Et je veux pas entrer dans l'énergie d'un hôpital. Non, vraiment pas. La seule raison qui ferait que j'irais à l'hôpital, c'est que j'aurais un accident grave, où là, vraiment, j'ai besoin de spécialistes pour me patcher, mais... Pour me faire suivre, il y en a qui m'ont trouvé extrémiste. Il y en a qui ont trouvé que je me prenais pour un autre, parce que je veux faire ça, parce que je prétends à la... connaître un truc, un secret qu'eux ne seront jamais capables de faire. Et tous ces gens qui m'ont suggéré ça avaient tout un double menton. La plus drôle que j'ai entendue, la pire aussi, venait d'un jovialiste. Vous savez, la philosophie jovialiste prône la jouissance, de ne se priver de rien. Et donc, il y en a bien sûr qui prennent ça au premier niveau. Il y en a un qui vient me dire... Moi, je veux pas me priver de rien. Toi, tu es dans la privation, et puis moi, je veux me priver de rien. Je vais prendre tout ce que je veux, puis je ferai jamais de jeûne. J'ai pas vraiment répondu, je pense. J'ai souri. Parce que moi, je ne cherche pas à convaincre personne. Mais j'aurais pu lui dire, je voulais pas être méchant, non. J'aurais pu lui dire, bah, si t'es content avec ton double menton puis ton gros ventre, ta bedaine de bière, ok, mais pas moi. Moi, je suis un artiste, la beauté est importante et je pense que c'est important de sculpter la beauté dans son corps et d'avoir un corps qui est beau. C'est le minimum. Et puis j'aurais pu lui dire aussi, ok, on se redonnera rendez-vous dans 20 ans. Ta philosophie appliquée à la lettre, bien on verra, tu auras probablement tout un tiroir plein de médicaments à prendre, tu seras à moitié mort, si tu es encore vivant, alors que moi, je serai fringant de santé, plein d'inspiration, et encore beau, parce que faire un jeûne, il y a l'aspect de la régénération. Le rajeunissement, les cellules se régénèrent complètement. Si j'ajoute ça à mon régime crudivore, ça fait que je vais, au lieu de vieillir dans les prochaines années, moi je vais rajeunir. Et ça, c'était juste un microcosme. C'est comme ça dans la société. Il y a une incompréhension fondamentale du jeûne et puis. Pour moi, je ne peux pas accepter des suggestions et des conseils de gens qui n'ont jamais fait ça. Vous connaissez rien, donc gardez-vous de me donner des conseils. Ce ne sont que des préjugés, des peurs, vos faiblesses. Je pense que ça prend une grande force mentale pour faire ça. Donc, pour les gens qui sont faibles, bien. Bien sûr, ce n'est pas accessible pour eux. Je connais des gens qui ont tenté de faire des jeûnes, même des jeûnes au jus, et puis ils n'ont pas été capables, ils ont arrêté après 2 jours. C'est ridicule. Je pense que c'est important de se fixer des objectifs et de le faire. Et jusqu'à maintenant, j'ai réussi. Les dernières années, je me suis fixé des objectifs de jeûne long, et puis je l'ai fait. Je suis allé jusqu'au bout de mes possibilités. L'année passée, ce qui m'a arrêté, la douleur était tellement forte et ça m'empêchait de travailler.
Donc cette année, vous voyez, j'ai résolu une partie du problème en me donnant une semaine de vacances. La dernière semaine. Donc ça risque d'être tough, ça risque d'être difficile, mais je vais prendre ça relax, je vais être ici. Peut-être que ça ne le sera pas aussi. On va voir. Mais cette année, j'ai une grande paix parce que là, c'est la troisième fois, donc je connais le processus. Il y avait beaucoup d'anxiété dans les premières années à cause que je ne comprenais pas ce qui se passait, je savais pas qu'est-ce qui allait arriver. Mais là, j'ai une meilleure idée, une très bonne idée du processus. Je sais que là, ça va être plus facile. À partir d'aujourd'hui, ça va être plus facile que les premiers jours. Et puis, ça va être facile jusqu'au jour 10, 15, au jour 20. Il va y avoir une levée incroyable, il va y avoir un soulèvement spirituel, un soulèvement intrinsèque qui va être vraiment bienvenu. C'est le meilleur moment. Beaucoup de gens font des 10 jours, et puis c'est fort louable, mais ce que j'ai le goût de leur dire, c'est poussez donc un petit peu, parce qu'après 10 jours, là, ça devient encore plus intéressant. Et là, il y a une guérison profonde dans le corps qui se traduit aussi par des bouffées de bien-être foudroyantes. Et je me rappelle de ces bouffées de bien-être. Et je les désire plus que tout. Et ça s'en vient. 6 jours. Bientôt, je vais arriver à 10 en fin de semaine. Je vais être rendu à 10. Donc, mon point est que si vous voulez faire un jeûne long, vous avez à étudier le sujet en profondeur. Vous devez bien, 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 très, très bien connaître le sujet. Parce que tout autour de vous, il va y avoir des gens qui vont tenter de vous éteindre, vous décourager, parce qu'ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est ridicule, comme ce jovialiste qui ne voit que la privation. J'aurais pu lui dire, OK, toi, tu as l'impression de ne pas te priver dans le court terme, mais en fait, tu te prives de plusieurs années de vie, alors que moi, je vais être un centenaire, je vais vivre très vieux. Donc, c'est quoi la privation? Je fais un petit jeûne, 2 mois dans mon année, et je gagne 10, 15, 30 ans de vie, alors que lui, il va mourir probablement à 60 ans, et puis il va être gros, gras, en mauvaise santé, par ses excès. Et c'est beau la jouissance, et vraiment, je suis un jovialiste, j'aime jouir. Mais il faut éduquer cette jouissance, à mon avis, c'est là l'intelligence. Il faut que cette intelligence soit une intelligence de l'esprit. Et qui aille avec le corps, qui marche avec le corps. Donc, cette intelligence qui amène à jouir. Je peux dire que je jouis du moment présent, quand même, présentement. Je jouis de certains états qui sont inaccessibles à la majorité des gens, parce qu'ils sont liés au jeûne. Il y a une paix profonde, un silence. Un grand silence. Je médite avec une grande facilité présentement. J'ai pas besoin de manger. Je prends un petit verre d'eau le matin, un petit verre d'eau le soir. Et c'est tout. J'ai plus besoin de me casser la tête à me faire des repas, à penser à ce que je vais manger. Et puis je n'ai pas faim. À cette étape, je n'ai pas faim. Je peux avoir des fois des genres de crampes dans l'estomac, les intestins, des douleurs peut-être aux reins aussi, parce que là, ça travaille fort, mais c'est pas de la faim. Et donc, il y a une grande paix due au fait que je m'extirpe. Et en fait, c'est une mort symbolique. Le jeûne long est une mort symbolique. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été utilisé par des grands maîtres comme Jésus, Bouddha, Platon, Plotin, Pythagore et plusieurs autres, parce que ça nous libère du monde. Il y a une libération du monde physique. Bon, il me reste encore de l'oxygène à prendre, un petit peu d'eau,
Mais à part ça, j'ai besoin de presque rien. Je me nourris de moi-même. Et ça, c'est un grand enseignement. Réfléchissez à ça. Qu'est-ce que ça veut dire se nourrir de soi-même? Je me nourris de la substance de l'infini, la substance fine de l'infini en ce moment. Et c'est littéral. Je me nourris de moi. Je me mange. C'est de l'autophagie. Et il faut le vivre pour le comprendre. Parce que c'est expérientiel. C'est une expérience. Et donc cette année, je me sens beaucoup plus en maîtrise. Jusqu'à maintenant, je me sens plus en maîtrise de la situation. Je comprends mieux le processus. Je suis plus détaché. Vous voyez, en fin de semaine, j'en ai ri. Tous ces gens qui me donnaient leur avis, leurs suggestions, tentaient de plaquer leur peur sur moi. Rien à foutre. Rien à foutre. Je les accepte, mais ça n'a aucune crédibilité à mes yeux. Faites un jeûne long et après, vous pourrez donner des conseils. C'est mon message. Sinon, gardez-vous de parler de ce que vous ne connaissez pas. Je pense que dans tout, en fait, c'est important de ne parler que de ce que l'on connaît. Donc, si je vous parle de cela, c'est que je l'ai étudié, je l'ai expérimenté. Je prétends pas être un expert, mais je prétends l'avoir fait. Et ça, c'est une chose importante. C'est fondamental. C'est le minimum. Mon but serait de vous inspirer à commencer à vous intéresser aux jeunes, à tenter l'expérience par vous-même. Une journée, 2 journées, 10 jours, 15 jours, peu importe, mais faites l'expérience et je suis sûr que vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et les effets, c'est évident, ça amène à une santé intégrale, à une régénérescence complète du corps. Vous voyez, j'ai fait 3 mois à la phase 1 de la Rainbow Green Live Food Cuisine de Gabrielle Cousens. Et puis, un des effets les plus positifs, c'est, et les plus visuels, c'est que j'ai guéri mes pieds d'athlète. Hein, les pieds d'athlète, c'est un peu comme un champignon qui pousse sur les pieds. Donc, j'avais les pieds blancs. J'ai remarqué que beaucoup de gens ont ça. Certains ont les pieds complètement blancs. Moi, c'était pas si pire que ça, mais j'avais quand même du blanc un peu partout sur les pieds. Rien à faire, j'arrivais pas à m'en débarrasser. J'ai mis des crèmes naturelles. Je ne voulais pas utiliser de crème chimique. Et là, dernièrement, j'ai commencé à mettre de l'huile de coco. Et puisque par le fait que j'ai fait 3 mois de la Rainbow Green Life Food Cuisine, il semble que j'ai fermé le bouton de compostage, le bouton de décomposition du corps. J'en ai parlé dans le document que j'ai mis ici en dessous, vous pouvez le télécharger, mon plan de nutrition spirituelle de 2019, où je parle du principe qu'on est tellement pollué aujourd'hui que le corps, il pense qu'on est en train de mourir. Donc, il part le bouton de compostage, donc il amène des maladies, et le corps commence à se décomposer alors même qu'on est vivant. Et le but de la phase 1 est d'arrêter ce mécanisme. Et je peux croire que si j'ai réussi à guérir ça à l'extérieur, ben, si j'avais des champignons quelque part à l'intérieur, je pense que je les ai tués. Et si c'est pas le cas, mon jeûne à l'eau va terminer le travail en beauté. Donc, vous voyez, ça me donne une grande confiance en ma santé, en ma longévité. Ça élimine mes peurs de mourir, d'une maladie soudaine, comme le cancer. J'avoue que j'ai eu déjà des craintes à ce sujet. Remarquez qu'il n'y avait rien qui me donnait l'idée que j'avais le cancer, mais c'est dans l'air. Et puis là, soudain, le cancer nous tombe dessus, comme si, comme un cadeau. Un mauvais cadeau. Mais avec les processus que je suis en train de faire, eh bien, j'ai enlevé ces peurs.
J'ai repris le contrôle de ma santé. J'ai repris le contrôle de ma santé. Et moi, je souhaite vous inspirer à en faire tout autant, c'est possible. Arrêtez de faire confiance aux médecins, arrêtez de faire confiance au système de maladie, parce que ce qu'il veut, c'est vous rendre malade. Vous voulez être malade, bien, suivez l'ordre des médecins, suivez leurs recommandations. Ce sont des experts dans la maladie. Le jour où on paiera les médecins au prorata de la santé, ah, ça sera différent. Comme ça, s'il y a des gens malades, les médecins seront moins payés. Et s'ils réussissent à nous rendre en santé, ils seront très, très riches. Vous voyez, si c'était comme ça, ça serait moins pervers et puis on vivrait dans une société de santé où il y aurait tout un corps médical qui aurait à cœur de nous rendre en santé, beau, de nous amener à rajeunir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, tout va bien. Ne vous en faites pas. Le processus se déroule lentement, mais sûrement. Ma caméra vient de me lâcher juste à la fin. Donc, juste pour être sûr, mon message final, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.